sul foglio arancione o giallo un simbolo, no parole o un'immagine. Questa mattina, e che è una mattina che è stata molto ricca di pensieri e di riflessioni. Abbiamo adesso il quarto gruppo che ci parleranno sulle nuove sfide alla missione evangelizzatrice. Allora invito Anu Messier della CIEM, che rappresenta la CIEM, Eric Palacios, che rappresenta CINAB, Nathalie Gardina, che rappresenta CIAM, e Noemi Bertola, che rappresenta i Salesiani Cooperatori. Siccome due di loro parleranno in francese, credo, allora chiedo alle sorelle che sono le traduttrici, che sono già qui, faranno un riassunto di ciò che parleranno. Grazie. Bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous dans notre famille très polyglotte et je vais donc vous mettre à l'épreuve du français. L'instrument de travail brossant déjà de façon très complète les lieux de vie salésiennes et les nouveaux défis, je ne ferai que relever quelques éléments qui me paraissent pertinents pour l'Europe et le Moyen-Orient. Nous annonçons que le Seigneur est vraiment ressuscité, que nous l'avons rencontré, ou mieux, que nous nous sommes laissés rencontrer par lui. Et être attentive à la soif de Dieu présente dans le cœur des jeunes, même quand elle n'est pas exprimée. Dans notre société occidentale, fortement déchristianisée, où parler de religion évoque rapidement contraintes, obligations, manque de liberté, ennui, le premier défi est de donner le goût de Dieu. Pour des jeunes, et des moins jeunes aussi d'ailleurs, rencontrer des personnes touchées dans leur être profond par l'amour de Dieu et qui le manifestent dans leur façon de vivre est un témoignage interpellant. C'est pourquoi n'ayez pas peur de dire votre foi, de partager votre trésor, le charisme de Don Bosco, de nous inviter à des temps de réflexion et à vos temps de prière, tout en sachant bien que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Fêter le bicentenaire de la naissance de Don Bosco, ce n'est pas se souvenir pour se focaliser sur le passé, mais c'est faire mémoire des débuts pour mieux s'ancrer dans l'aujourd'hui des jeunes. Le défi est donc, entre autres, d'actualiser notre vocabulaire pour trouver les mots justes qui vont toucher les jeunes et répondre à leur désir de trouver du sens à leur vie et rejoindre aussi leur soif de Dieu. Investir aujourd'hui dans la formation continue et systématique des laïcs, formation centrée sur le charisme et sur les nouvelles frontières de l'éducation. Se former ensemble pour que chacun, dans notre vocation propre de religieux ou de laïc, nous puissions mieux nous connaître et nous apprécier pour mener ensemble notre mission éducative auprès des jeunes. Le système préventif, c'est génial, mais Don Bosco ne nous a pas laissé que des trucs et astuces. Alors, n'hésitez pas à partager aussi avec les laïcs les trésors de la spiritualité de Don Bosco et ce qui fonde votre joie.
Non dico tutto. A noi ha evidenziato alcuni elementi nello strumento di lavoro che le sembrano pertinenti per l'Europa e il Medio Oriente. Prima l'annuncio di Gesù risorto e la sete di Dio che è presente nel cuore dei giovani anche quando non lo esprimono. Lei ha detto nella nostra società occidentale molto cristianizzata, quando si parla di Dio per tanti giovani, questo evoca noia, obbligo, mancanza di libertà. Bisogna trovare i linguaggi e soprattutto testimoniare. Lei ha detto non abbiate paura di dire la vostra fede, di condividere il vostro tesoro, il carisma di Don Bosco. Festeggiare il bicentenario della nascita di Don Bosco non è solo per fare memoria, ma per attualizzare il linguaggio, trovare le parole giuste che toccheranno il cuore dei giovani per rispondere alla loro sete di Dio. E poi ha parlato della formazione continua e sistematica dei laici, formarsi insieme per conoscersi meglio, apprezzarsi. E di nuovo ha detto condividete con noi i tesori della spiritualità di Don Bosco e ciò che fonda la vostra gioia. Dans un monde souvent divisé et marqué par des critères de concurrence, nous faisons nôtre la logique du levain et la culture de la rencontre pour nous projeter vers les nouvelles frontières dans des espaces où les jeunes s'engagent avec nous en devenant missionnaires de la tendresse et de la compassion de Dieu. C'est être avec, écouter sans juger, mettre en lien, être attentif aux plus fragiles, créer, oser, s'engager ensemble, vivre l'amore voletta et expérimenter ce que veut dire compter pour l'autre, sortir de la spirale de compétition aussi. C'est aussi s'ouvrir aux autres cultures, religions et milieux sociaux. C'est apprendre à se connaître pour dépasser les a priori et les peurs de l'autre différent. Nous sommes appelés à accueillir avec un cœur miséricordieux la situation des familles qui vivent des expériences critiques et difficiles. C'est soutenir la parentalité, avoir un regard qui ne juge pas. C'est écouter, accompagner, valoriser tout ce qui se vit déjà de beau dans les familles, aussi compliquées et blessées soient-elles. Nous sommes appelés à éduquer à la participation en partageant avec les jeunes une formation sociopolitique qui oriente vers la justice et la paix, qui défende la vie et éduque à la solidarité. La fraternité est fondement et chemin vers la paix et ne peut être conquise que si tous se mettent en mouvement avec détermination ferme et persévérante pour le bien commun. C'est réfléchir, essayer de comprendre, former les consciences. Comme le disait Don Bosco, tout faire pour que les jeunes deviennent de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. N'oublions pas que ce sont eux, les jeunes, qui seront les patrons, les banquiers, les juges, les directeurs d'école et les responsables politiques de demain. In un mondo spesso marcato da una mentalità di concorrenza e di rivalità, diventare missionari della tenerezza e della compassione di Dio, aprirsi all'altro diverso, a tutte le fasce della società, accogliere con un cuore misericordio la situazione delle famiglie che vivono esperienze difficili o critiche, sostenere i genitori, ascoltare e non giudicare, valorizzare tutto ciò che si vive di bello. E poi siamo anche chiamati a condividere con i giovani una formazione sociopolitica, educare alla pace, alla giustizia, alla difesa della vita, alla solidarietà, con determinazione. Perseveranza per il bene comune. Dobbiamo formare le coscienze, non dimenticare che
i giovani di oggi saranno i politici, i governanti, eccetera, di domani. Fare tutto perché siano buoni cristiani e onesti cittadini. Pour le dire autrement, et peut-être plus synthétiquement, une fois les besoins vitaux rencontrés, il me semble que les jeunes ont surtout besoin de lieux accueillants où ils sont les bienvenus, où on les écoute sans les juger, où ils sont pris au sérieux et estimés à leur juste valeur, où on les invite à être acteurs et à prendre des responsabilités à leur mesure, à se dépasser, à s'ouvrir aux différences et à l'inconnu, à oser, à se faire confiance et à cultiver leur être intérieur. Des lieux qui favorisent les liens entre les jeunes et entre les jeunes et les adultes. Des lieux ouverts sur le monde où l'amitié et la confiance, l'attention aux plus fragiles et la solidarité, le respect de l'environnement, la prise en compte des réalités socio-économiques et socio-culturelles ne sont pas que des mots et des belles idées. Des lieux où on apprend à entrer en relation, à réajuster les relations, à demander quand c'est nécessaire, à remercier pour tout ce qu'on a reçu, à proposer sans imposer. Des lieux de cohérence où les adultes vivent ce qu'ils prônent, où le témoignage en acte aura plus de force que les bonnes paroles. Des lieux de joie, de gratuité et d'accueil inconditionnel. De façon générale, en Europe de l'Ouest, je mettrai prioritairement l'accent sur l'ouverture à la vie intérieure, au respect de la vie, la justice et la solidarité. En Europe de l'Est et au Moyen-Orient, je mettrai l'accent davantage sur la gestion des conflits et l'ouverture aux autres. Reste que les deux grands défis du monde actuel sont la culture de la vie et la culture de la paix, et cela sous toutes les latitudes. Deux grands défis que nous ne pourrons pas relever seuls. Il faudra veiller à travailler en synergie avec d'autres, ce qui sera en soi un bel exemple pour les jeunes. Mais quelles que soient les options prises, les actions menées, les jeunes ont besoin d'être baignés dans un climat de respect, de joie et d'espérance. Finito. I giovani hanno bisogno di luoghi accoglienti dove sono accolti, stimati, protagonisti, dove prendono responsabilità, dove coltivano il loro essere interiore, luoghi dove incontrano adulti, anche adulti coerenti, che vivono ciò che dicono, dove la testimonianza ha più forza delle buone parole, luoghi di gioia, di gratuità, di accoglienza. In riassunto per l'Europa dell'Ovest, lei metterebbe l'accento sull'apertura alla vita interiore, il rispetto della vita, la giustizia e la solidarietà. Per l'Europa dell'Est e il Medio Oriente, l'accento sulla gestione dei conflitti e l'apertura agli altri. E per tutto il mondo, le due grandi sfide della cultura della pace e della cultura della vita. E se lavoriamo in sinergie con altri, sarà un bel esempio per i giovani. Soprattutto hanno bisogno di essere immersi in un clima di rispetto, di gioia e di speranza. Merci. Madre Ivón. Ahora sí. Muy buenas tardes entonces a toda la asamblea capitular. Gracias, Madre Ivón, por permitirme estar aquí, participar del capítulo. Acontecimiento significativo para todas ustedes, hijas de María Auxiliadora, y para nosotros, la familia salesiana. Gracias también a las poderosas hermanas de la SINAV,
que han confiado en mí para poder representar la voz de los laicos de nuestras comunidades educativas. Gracias por permitirme reflexionar sobre el tema Ser hoy con los jóvenes, casa que evangeliza. Pues como educador he tenido la oportunidad de estar en medio de las jóvenes, escuchar aquel grito que no se atreven a decirlo en casa o a las hermanas. Ahí comprendí el sueño de Don Bosco de que somos nosotros, los laicos, puentes por donde puede pasar el carisma salesiano. Por eso sentí la necesidad de consagrarme en ellas como salesiano cooperador. A través de la carta convocatoria y del documento de trabajo, pude rescatar que el trabajo realizado para el capítulo general es una síntesis de un proceso que se ha ido desarrollando. En este documento de trabajo está toda la realidad del contexto de nuestras familias, que buscan una superación. Y la falta de viviendas, que hoy en día es una terrible realidad, las familias disfuncionales que se presentan, hacen de los jóvenes, jóvenes sin valores. Y no amantes de la vida, jóvenes sin sentido de vida. Apoyados en las nuevas tecnologías y redes sociales, que son el nuevo patio de esta era. Esto impulsa a las hijas de María Auxiliadora a replantear desde otra óptica la visión y misión que se tiene con la juventud. La periferia hoy en día se refiere a los grandes problemas que han amenazado a la juventud, como la trata y tráfico de personas, las drogas que se han proliferado e incluso se ha legalizado en algunos países, las redes sociales que han absorbido a todos los jóvenes y los medios tecnológicos que van transformando los valores de toda la juventud. El documento se basa en las líneas orientadoras de la misión educativa de la CFMA, el LOME. Nos muestra parte del carisma que tiene y se plantea en mejorar las comunidades educativas, con la inclusión de los laicos y laicas, para llevar adelante el proyecto de Don Bosco y Madre Mazzarello, para la salvación de los jóvenes y de las jóvenes. Las hijas de María Auxiliadora son en la iglesia mujeres consagradas, que viviendo en comunidad y estando en medio de la gente, expresan la mística de un amor radical por Cristo, con sencillez y alegría al servicio educativo de los jóvenes, cultivando una entrega misionera que abre la vida cotidiana a amplios horizontes apostólicos, insertadas en la iglesia local, expresando una ciudadanía activa en el territorio y en la cultura de hoy. Ser casa en estos tiempos es tener que atrevernos a vivir amando sin medida y sin tiempo, siendo luz, manteniendo la llama encendida a pesar de las dificultades, acompañando siempre a las jóvenes y a los jóvenes. Como salesiano cooperador, el compromiso es el de entrar en los nuevos patios de la juventud. Hoy en día tenemos que conocer las nuevas tecnologías, estar presentes en las redes sociales que existen, donde los jóvenes viven otra realidad, el famoso WhatsApp, que es su medio de interacción y donde existen los más grandes peligros de esta era, con el tráfico de las personas y la explotación sexual. Para ello es necesario que, como seguidores de Don Bosco, nuestra principal preocupación siempre sea la seguridad de los jóvenes. Es necesario que nos introduzcamos en los nuevos patios y acompañarlos en esta nueva era tecnológica. Hoy evangelizar en el siglo XXI no ha cambiado mucho desde las épocas de Don Bosco. No ha cambiado el amor a Dios. No han sido cambiados los sacramentos, sino el reto está en el cómo comunicar la fe a los jóvenes que han perdido los valores cristianos y el amor a la vida.
Como educadores salesianos es necesario estar junto a ellos en la periferia, en su mundo, que es un contexto muy diverso aquel en el cual vivió Don Bosco. Es necesario introducirnos en su mundo, no para controlarlos, sino para acompañarlos y guiarlos para el bien de ellos y ellas. Como experiencia, yo siempre he estado al lado de ellas en las fiestas donde se prolifera mucho el alcohol. Algunas veces me llaman a las 12, 1 de la mañana y voy a ver para esa confianza que ellas tienen, ¿no?, conmigo, para poder ayudarlas a entrar a su casa para que no sean retadas por los papás, ¿no? Dejo que ellas después hablen conmigo por qué han hecho eso, por qué, ¿no? Escucharlas más que todo. Ahora, pero he comprendido también que eso hay que prevenir, ¿no? Hoy en día que los 15 años son unas fiestas bastante donde hay alcohol, droga. Y estoy presente en las invitaciones que ellas mismas me hacen, ¿no? Al principio era difícil porque mi esposa se sentía celosa, ¿no? Siempre, ¿por qué te llaman mujeres? No son mujeres, son mis hijas. Iba a las fiestas, ahora me acompaña también algunas veces. Tengo en el WhatsApp como 24 grupos, ¿no? 24 grupos que... de todas las promociones que han salido. Hay algunos grupos que dicen con Eric, un grupo con Eric, otro grupo sin Eric. Ahí siempre ayudando a las, porque siempre son mal habladas. Entonces, al ver que estoy en línea, se cuidan. No las controlo, las acompaño. Es una forma de estar con ellas, ¿no? De educar, de estar siempre con las nuevas tecnologías para poder ayudarlas y guiarlas. Otro gran objetivo que duele es, para mí, es el de formar centro de animadoras de exalumnas, porque hoy en día solo las acompañamos en su etapa de estudiantes en el colegio. Pero cuando ellas dejan nuestros colegios y van a las universidades a reunirse con otros jóvenes, se encuentran con todo tipo de jóvenes, ¿no?, que no son salesianos. Entonces, a veces quedan confundidas, no saben qué hacer. Entonces, un nuevo reto también es el de tratar de formar estos centros de exalumnas para no perderlas, más bien... traer, que lo traigan a esa juventud que está perdiendo estos valores, ¿no?, y tratar de encaminarlos por los buenos valores que necesitamos hoy en día. Esa es la gran preocupación. Eso sería. Muchas gracias. Alors, je vous dis d'abord Mbolo, comment on salue chez nous au Gabon. Mbolo. Alors, je suis ravie d'être parmi vous, mais surtout heureuse de faire partie de cette belle et grande famille qu'est celle de Jean Bosco et de Marie-Dominique. Merci encore pour votre accueil. Je crois que je vais rester ici, je ne repars plus au Gabon. Alors, l'honneur me revient de prendre la parole devant vous au nom de tous les laïcs d'Afrique et de Madagascar sur le thème qui nous réunit tous aujourd'hui. Être aujourd'hui avec les jeunes une maison qui évangélise. Alors, voici brièvement ce qui ressort de notre réflexion en tant que laïcs sur le thème proposé. Alors, pour nous, en Afrique, la maison, c'est quoi ? C'est d'abord une famille qui est représentée par le père, la mère, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins et même les ancêtres. Ce qui permet l'égalité, le respect, la justice. Et c'est un lieu également
d'accueil, une porte ouverte à tous sans distinction de race, de langue ou de religion. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes interpellés par certains défis qui font que la famille a perdu sa véritable valeur et sa signification. D'abord par la division et la crise dans la famille, qui se manifeste dans beaucoup de cas par l'absence du père et de la mère, qui sont les premières personnes à donner avec amour et indiquer avec sagesse à leurs enfants les chemins de la vie. Ensuite, il y a la guerre. Encore dans certaines régions, à l'exemple du Centrafrique, du Soudan, de la Somalie, des discriminations raciales et religieuses, comme au Nigeria et en Centrafrique, créant de graves conséquences, surtout sur les jeunes, qui de ce fait quittent leur pays, vivent de grosses difficultés affectives qui entraînent des blessures intérieures et profondes qui influencent ainsi négativement leur vie future. Il y a également la pauvreté sur toutes ses formes, matérielles, intellectuelles, spirituelles, morales, économiques, et surtout le chômage qui frappe essentiellement les jeunes, les mettant dans une situation d'instabilité et d'oisiveté. Il y a aussi le contexte traditionnel qui ne laisse souvent aucune liberté aux jeunes quant à leur choix. Les droits des enfants dans certaines régions encore aujourd'hui ne sont pas respectés. Dans certains pays, l'éducation et la promotion de la jeune fille est encore un chemin à poursuivre. Il y a aussi et encore les nouvelles technologies qui sont une fenêtre ouverte sur le monde qui peuvent à la fois contribuer au bien et au mal. Au bien, parce qu'on apprend des autres. La technologie, c'est bon, ça donne accès à la connaissance, à la découverte, et permet d'évoluer avec le temps. Et au mal, parce que nos jeunes aujourd'hui ne savent pas faire la différence entre ce qui est bien pour eux et ce qui est mal. Ainsi, ils perdent leur identité. Pour eux, tout ce qui vient de l'extérieur est sans aucun doute le meilleur qui puisse exister. Ils abandonnent ainsi leurs racines et leurs valeurs culturelles africaines. Pour nous encore, en Afrique, la maison, c'est un village, un quartier, une paroisse, une école qui représente la communauté éducative où l'on reçoit l'éducation et la formation. C'est un lieu de communion, d'unité et de partage, d'écoute, de dialogue et de solidarité. Malheureusement encore, dans nos quartiers, nos paroisses, nos villages, nos écoles aujourd'hui, certains défis se font sentir. L'individualisme, qui fait aujourd'hui que l'Afrique, l'accueil et les relations se sont affaiblies, surtout dans les grandes villes. Les relations entre nous ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a le manque de sens d'appartenance, ce qui rend difficile l'esprit de famille. La division à cause de la sorcellerie, de la jalousie, à cause du rang social, ce qui occasionne des jugements et la méfiance entre membres d'une même famille qui peuvent aller jusqu'à accuser l'autre d'être la cause de la mort d'un membre de famille, etc. Et ainsi, cela entraîne des manques d'amour et ça rend impossible la correction fraternelle. Donc, pour donner une réponse à tout ce que je viens de dire, nous, laïcs, pensons qu'en Afrique et à Madagascar, il est bon d'accompagner les jeunes à aller à la recherche de leurs propres talents pour les mettre au service de la société, de l'Église et des autres. Vivre la joie de la rencontre avec Jésus. Développer le sens d'appartenance. Vivre la fraternité où chacun trouve sa place, donc le partage, l'entraide, la connaissance de l'autre, par l'organisation des fêtes pour célébrer les anniversaires, par exemple. Il serait bon aussi de mettre en place une évangélisation de la rue par l'organisation des oratoires dans les quartiers, de développer les moyens de communication audio et vidéo pour la catéchèse,
organiser plus souvent des formations sur l'éthique, la morale, l'éducation civique, le savoir-vivre, et d'organiser des rencontres de formation sur les thèmes touchant directement les jeunes, comme les méfaits du tabac et de la drogue, l'homosexualité ou encore les grossesses précoces, qui sont autant de maux qui aujourd'hui mettent en danger la vie de nos jeunes et compromettent leur avenir. Développer des centres d'apprentissage et de métiers, surtout pour les jeunes en difficulté. Amener nos gouvernements à assumer leur rôle par l'organisation de campagnes de sensibilisation pour les mettre face à leurs responsabilités. Mettre en place une politique adéquate et efficace pour l'emploi des jeunes afin d'empêcher l'immigration. On sait ce qui se passe aujourd'hui avec nos jeunes qui fuient nos pays pour aller vers l'Occident, soi-disant pour chercher le bonheur, au péril même de leur vie. Alors, accompagner les jeunes également dans leurs projets pour qu'ils s'assument financièrement et ainsi leur permettre de s'épanouir. Par ailleurs, avec l'inflation actuelle de religion en Afrique, une sensibilisation doit être également faite dans ce sens auprès de nos gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne distinguent plus les églises qui peuvent leur apporter du bien. Et cela fait qu'ils confondent tout entre la bonne église qui peut leur apporter un plus ou celle qui peut les dérouter. En conclusion, pour nous, il ne s'agit pas de repartir à zéro, hein. Il s'agit plutôt d'un nouveau départ. Donc nous pensons qu'il faut ouvrir grandes nos portes aux jeunes, qu'il faut sortir et briser les barrières pour aller les chercher où ils sont, pour qu'ensemble nous élaborions un nouveau projet éducatif et pastoral pour être et vivre avec eux dans cette maison qui évangélise. Grazie. Una sintesi delle idee che sono sorte dalla comunicazione di Natalie, rappresentante dei laici membri delle nostre comunità educative in Africa e Madagascar. Natalie, dopo aver salutato la madre e i suoi colleghi laici, ci ha presentato cosa intende sulla tematica del capitolo Essere oggi con i giovani casa che evangelizza. Ella si sofferma su due punti importanti. Il significato della casa nel contesto di Africa e Madagascar, le grandi sfide che distruggono la casa. In Africa e Madagascar, la casa raccoglie e cura la famiglia. Nello stesso tempo, la casa è famiglia. Famiglia composta dal padre, dalla madre, dei figli, dei nonni, dei zii, dei cugini, degli antenati. È un luogo di accoglienza dove ci si condivide tutto che si possiede, luogo alle porte sempre aperte a tutti senza distinzioni. Quindi la casa nostra è molto grande e si accresce continuamente. La casa va al di là della famiglia nucleare e diventa un villaggio, un quartiere, una comunità educativa dove si prende cura della formazione alla vita delle nuove generazioni, trasmettendo i valori di comunione, di unità, di condivisione, di ascolto e dialogo e di solidarietà. Con amarezza, questa casa è minacciata perché i valori familiari tendono a sparire per causa della crisi e la divisione nelle stesse famiglie. I genitori, prime persone che danno l'amore e indicano con saggezza i cammini della vita, sono spesso assenti per vari motivi. La guerra mette in pezzi le famiglie.
Molte nazioni africane sono in guerra, in conflitti. Ha citato la Repubblica Centrafricana, Sudan, Somalia, la Nigeria, solo questo che si sono citati. Questo crea un impoverimento acuto con gravi conseguenze che spingono i giovani a sfuggire le loro nazioni con disperazione e ferite profonde nel cuore che compromettono la preparazione serena del futuro. Con i mutamenti che portano le nuove tecnologie, i giovani tendono a rifiutare i valori tradizionali, copiando senza spirito critico la cultura occidentale, soprattutto nella città. C'è la perdita dell'identità. In certi contesti, le pratiche tradizionali non promuovono i diritti dell'infanzia e della giovane in particolare. Matrimonio e gravidanza precoce, non scegliere il marito. Lo spirito di famiglia viene meno per la sfiducia che si crea a partire dalla stregoneria, la gelosia e l'indifferenza. Dare risposta a queste necessità, a queste sfide, necessita l'implicazione della comunità educativa, ma anche dei nostri governi. Concludendo, Nathalie ci dice che non si tratta di partire da zero, ma si tratta di un ripartire aprendo più grandi le nostre porte, uscendo e rompendo le barriere per cercare i giovani. Insieme elaboriamo un nuovo progetto educativo e pastorale per essere con loro e per loro una casa che evangelizza. Grazie. Buongiorno. Per prima cosa un grande grazie per essere di nuovo qui fra voi per scrivere questa pagina odierna del capitolo. Grazie alla madre e grazie a tutte voi per l'attenzione. Il tema delle sfide è stato abbondantemente dissertato, analizzato un po' nelle varie sfaccettature, ma io penso che la nostra missione, quella a cui tutti siamo chiamati, di gridare dai tetti la buona novella, sia un po' come un diamante, con tanti lati, tante facce, tutte luminose, anche se a volte anche difficili. Vediamo come la testimonianza in alcuni paesi porti addirittura al martirio. Io vorrei partire proprio dallo slogan di questo capitolo: essere oggi con i giovani casa che evangelizza. Già dallo slogan c'è la sfida a cui siamo chiamati tutti, non soltanto le figlie di Maria Ausiliatrice, ma anche noi come cristiani impegnati che attraverso il carisma salesiano vogliamo portare Cristo ai giovani più abbandonati e poveri, ripercorrendo quelle vie di amore, accoglienza, capacità di ascolto, perdono, gioia nell'apertura e nella condivisione che furono proprie di Don Bosco e di Madre Mazzarello. Papa Francesco ci ha con forza invitato ad uscire dai nostri comodi nidi per raggiungere gli uomini, le donne, i giovani, nelle periferie del nostro mondo globalizzato, dove soffrono, subiscono e ricercano, a volte senza saperlo, il volto di Cristo. In quell'avverbio di tempo, oggi, essere oggi con i giovani, penso ci sia la chiave di volta per comprendere l'improrogabile impegno che ci attende. Oggi dobbiamo rilanciare la nostra avventura educativa proprio fra quei giovani smarriti e disorientati che specialmente nel nostro Occidente
sono oggetto di un vero e proprio bombardamento mediatico, consumistico, che li fa vittime e non protagonisti di una ricerca edonistica centrata solo su falsi bisogni. Oggi dobbiamo anche farci carico di una pastorale che accompagni le famiglie. È un'urgenza. Le famiglie devono riscoprire la propria identità. In un momento storico, sociale, di crisi, sia economica che spirituale, così particolare, in cui la decadenza di quei valori fondamentali, quali la solidarietà, la ricerca del bene comune, la difesa della vita, sembrano essere smarriti inesorabilmente. Le coppie di sposi si sentono sole a fronteggiare problemi sociali, economici, di vuoto culturale e spirituale. Cercano risposte, ma spesso incontrano solo vane parole che lasciano spazio alla frustrazione, alla solitudine e che spesso purtroppo sfociano nella disperazione. Già prima si è fatto accenno ai suicidi, ai femminicidi e a tante situazioni di violenza aberrante che avvengono proprio nel chiuso delle nostre case. Oggi un'altra sfida è rappresentata dalla migrazione di milioni di persone. Questa è una sfida che ci interpella, direi quasi con violenza. Non possiamo rimanere al riparo nelle nostre case, nei recinti dei nostri cortili, nelle parrocchie. Dobbiamo farci compagni di strada, proprio come Gesù ad Emmaus, di tanti che fuggono dalla fame, dalla guerra, dalle violenze. È una sfida particolarmente toccante e impegnativa. Spesso ci troviamo inermi a fronteggiare necessità, bisogni, esigenze che ci sovrastano. Ci troviamo ad accogliere altre culture, altre tradizioni, forme sociali e atteggiamenti molto lontani dalla nostra logica, religioni diverse dalla nostra. È quello il momento di invocare lo Spirito. La consapevolezza che è con noi e non ci abbandona ci rende forti, capaci di affrontare e cercare di risolvere i grandi problemi che abbiamo dinanzi. Ma si fa anche pressante la necessità di una formazione continua a 360 gradi, che ci dia la conoscenza e le capacità umane di fronteggiare questa sfida. A questa particolare forma di formazione dobbiamo affiancare anche una profonda preghiera continua, perché il Signore illumini i nostri passi, ci dia forza nelle nostre attività. Queste sfide apparentemente sembrano gigantesche e con me tutti i salesiani cooperatori del mondo cercano di prepararsi con grande passione, con un dono di sé significativo, coerente, quotidiano, concreto, con la certezza però di non essere soli, ma di appartenere ad una famiglia che nella condivisione di un prezioso carisma, che è quello salesiano, che è un vero dono di Dio alla Chiesa, avvicina, accompagna i giovani alla meravigliosa avventura dell'incontro con Cristo. Grazie. Ringraziamo i nostri ospiti e ci manca il tempo, però facciamo la stessa dinamica che abbiamo seguito fino adesso. Non ci sarà la condivisione, ma sul foglio o azzurro o celeste, solo che cosa dovete fare? Un'esperienza o un fatto o una frase di Don Bosco o di Madre Masarello, non di qualunque cosa, che ci viene in mente dopo aver ascoltato questa condivisione. Tutti i laici che sono intervenuti questa mattina sui diversi temi. Abbiamo avuto un insieme
di riflessione, testimonianze, condivisione molto sentite, molto approfondite a partire dallo strumento di lavoro e in relazione con la vita, con la realtà, con una passione carismatica che a tutte ci ha colpite. Abbiamo tutte sentito che un fuoco si stava accendendo in noi. Allora adesso, con questo grazie, continueremo questo pomeriggio a condividere. Certamente che stiamo scrivendo una pagina inedita e molto bella.